Ma fille aînée m'a beaucoup reproché de ne pas m'occuper d'elle, et donc elle est partie dès qu'elle a pu, elle est partie. Elle est partie faire une école à Nantes, en troisième année, et alors qu'elle aurait pu rester sur Lyon, mais elle a choisi de partir. Après, elle est partie faire un semestre à l'autre bout du monde. Bon, beaucoup de jeunes le font, hein, mais on avait vraiment l'impression qu'elle essayait de partir le plus loin possible, qu'elle avait besoin de couper. Elle n'en pouvait plus, je crois, de vivre à la maison. Je crois qu'elles n'ont pas de complicité. Ça c'est quelque chose qui me fait mal. Quand je vois des amis avec des fratries où il y a une complicité, moi je sais qu'il n'y a pas de complicité entre elles. Et ça me fait mal parce que bon, moi j'ai moi-même des frères et sœurs et j'avais une bonne complicité avec ma sœur. Et c'est vrai que c'est pas du tout quelque chose qu'elles connaissent et je trouve ça dommage. Mais on ne peut pas forcer les choses. Elle était jalouse, la grande. Enfin bon, ça c'est normal. Hein, je veux dire, toutes les fratries connaissent ça. Mais très vite, je pense qu'elle a perçu mon inquiétude. Et puis je m'occupais plus de sa petite sœur parce qu'elle-même, elle n'avait pas besoin de beaucoup de soutien. Je veux dire, j'étais là quand même, mais je lui faisais réciter ses leçons quand il fallait. Mais je veux dire, elle apprenait très vite et elle avait des très bonnes notes. Donc j'allais pas. Mais elle me l'a reproché très longtemps et je crois que maintenant ça va un petit peu mieux, elle encaisse un peu mieux tout ça, mais elle m'a reproché jusqu'à pas si longtemps que ça de pas avoir été présente. Alors, personnellement, je ne suis pas d'accord, mais je pense que j'ai été présente quand il fallait. Et puis elle est partie, elle voulait non plus nous voir non plus, je crois. Donc, on a aussi vécu quelque chose d'un peu particulier, c'est-à-dire que j'ai un mari qui voyageait beaucoup, donc qui était très absent. Donc, finalement, on était beaucoup toutes les trois. Et je pense que ça, c'était pas tout à fait ordinaire parce qu'il y a eu des fois où j'étais 2 ou 3 semaines toute seule avec mes filles. Et donc c'est vrai que c'était pas simple. C'était pas simple et je pense qu'elles en ont souffert toutes les deux.